Ces rendez-vous manqués avec la mort sont d'ailleurs à l'origine des plus incroyables anecdotes. Dans les années 30, un certain Joseph Figlock marchait dans une rue de Détroit lorsqu'un bébé est tombé d'une fenêtre d'un étage élevé. L'année suivante, le même enfant est tombé sur lui de la même fenêtre. Tous les deux ont survécu. En revanche, lorsqu'elle est au rendez-vous, la mort n'a parfois rien envié aux meilleurs des metteurs en scène. En 1975, un cyclomotoriste a été tué aux Bermudes par un taxi. Un an plus tard, presque jour pour jour, son frère a été tué dans la même rue par le même taxi, transportant le même passager, alors qu'il conduisait le même cyclomoteur. En 1899, la foudre a tué un homme alors qu'il se tenait debout dans la cour derrière sa maison à Tarente, en Italie. 30 ans plus tard, son fils a été tué dans la même cour de la même manière. Puis, le 8 octobre 1949, Rolla Primarda, petit-fils du premier et fils du second, a été foudroyé par la foudre dans la même cour.